Salut, c'est Metablaze et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Little Nightmare. Et aujourd'hui, on continue les DLC. La dernière fois, on avait fait Secret of the Maw. Et aujourd'hui, on va faire The Hideaway. On se rappelle, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Il va tomber, et il va chuter, il va se faire mal. Parce que c'est du spoil. Ben, va aller voir la dernière vidéo. Wouhou! Allez, on a les petits gnomes aussi qui sont là. Est-ce qu'on a encore la torche? Bien sûr, parce que c'est la suite des DLC. Si vous ne l'avez pas vu, la dernière fois on avait fait le premier DLC, et le jeu classique on l'avait fait en live. Les liens des vidéos seront dans la description, mais elles seront également en annotation, donc n'hésitez pas à les activer, comme ça vous pourrez cliquer directement sur ce lien. Et je suis également reparti pour chier liquide. Bah parce que pour ceux qui ne le savent pas, jouer à Little Nightmare faisait partie de mes défis, de mes sub goals sur la chaîne, et qu'à l'origine j'aime absolument pas ce type de jeu. Bah j'ai bien aimé le jeu, donc j'ai acheté les DLC, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue. Moi je t'attrape. Reviens, je vais te bouffer. Ah, c'est bon, je peux l'attraper en plus. Mais qu'est-ce que j'en fais? Attends, je peux m'en servir pour ouvrir la porte? Mais complètement. J'ai l'impression que l'ambiance de ce chapitre a l'air complètement différente. Déjà, il y a de la musique. À quel moment il y a de la musique? On va coopérer avec eux. Il y en a un autre. Mais on va jouer avec eux en fait. D'accord. Oh, il y a un dessin caché. Ah, pousse avec moi. Ah, voilà. Ah, c'est sympathique en vrai. Ça change totalement du DLC précédent. Eh mais sous-étant qu'on voit carrément les yeux de notre perso. Ah et en ce qui concerne le montage, j'essaierai de faire un truc un peu dynamique. Sur la dernière vidéo, c'était un petit peu lent. Ok, mais il y a plein de dessins. Et là, est-ce qu'on peut pousser? Complètement. Ah, pas assez visiblement. Ah, bah voilà. Alors je sais pas ce qu'on lui fait, mais j'ai l'impression qu'on le manipule et qu'après il est sous notre contrôle. Oh mais s'il peut s'accrocher. Ah bah let's go. Faut que j'envoie les deux là-haut. Réception Billy. Ah c'est bon, ça marche. J'aime beaucoup cette mécanique. Et là on peut le sauver le collègue. Voilà, t'es libéré copain. Et paf, il craque la nuque. Oh ça aurait été rigolo. Là on a assez fort pour pousser la porte. Ouais on est quatre. Ah ouais quand même. Par contre on va en avoir combien d'alarbins avec nous? Venez mes bébés. Vas-y, je sais pas, je suis intéressé, je veux voir ce qui se passe. C'est vrai que ça balance du charbon. Ah oui. Mais c'est ça, c'est vraiment le charbon. Mais c'est les fournaises. Attends, mais on peut courir dans ce jeu normalement. Eh oui, mais complètement, j'avais zappé ça. Ouais, mais encore. Ah. Il récupère les morceaux de charbon. Et encore un. Et il remet du charbon. Ah mais on peut encore aller par là. Ah il y a encore un Gus là. Mais reviens. Je crois que c'est les gnomes qui s'appellent. C'est comme les gnomes mais sans le G. Hop là je l'attrape. Craquage de nuque. Ah mais oui. Bah viens. Voilà lui aussi il est avec nous. Et est-ce qu'on va en avoir un troisième? On va le découvrir maintenant. Il se passe quoi si je fais ça? Oh non j'ai éclaté les fusibles. Voilà. Ah, le dernier fonctionne pas. Ah merde. On note à moi-même ne pas marcher sur les morceaux de charbon. Oula, je crois qu'il est tout proche, j'ai la main qui vibre. Ah. Mais là, il va faire pas longtemps si ça grince. Oh. Ah, mais il est juste là. Tata. T'inquiète, t'es trop con pour monter. C'est bon, on est passé. Ah, on peut ouvrir. Ok. Ah, bah voilà. Elle est vieille que moi, petit tabouret. Le level design est quand même sympa, hein, parce qu'à zéro moment, je me suis dit que ça allait devenir une échelle. Ah, lumière. Ok. Ah, je suis passé. Ah, de retour. Oh, la salle des fusibles. J'avais oublié ce détail. On pouvait faire ça, tout simplement. Level là notre fusible. Donc c'est bien ce que j'avais constaté. On avait un défaut avec un fusible. Est-ce que je peux m'accroupir avec l'objet? Comme ça je peux me déplacer tout doucement sans qu'il me repère. Bah oui mais je voyais rien. Je voyais rien. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Hop là, allez on y retourne.
Abruti, je suis là, regarde. Il est con, nous pille. Allez, allez, allez. Plus vite. Plus vite. Oh, qui on y est. Nickel. What? Ah, mais oui. Donc, on en a un qui fonctionne. L'autre qui était cassé. Parce qu'à mon avis, quand j'ai dû mourir juste avant, ça a dû réinitialiser la salle. Voilà. Et là, c'est allumé. C'était un ascenseur depuis le début. Ah! Oh, bah, oh, il y a plein de copains là. Mais pourquoi il y a des. Oh, ils ont lâché des sacrés troncs. Ah non, c'est des. Là, c'est des poupées. Oh, mais il y a un petit endroit par là. Oh, mais on a un copain ici. Ah, mais il y en a même deux! Viens là, j'ai pas te manger, j'ai juste craqué la nuque. Mais j'ai comme l'impression de me faire troller. Oh, il est capricieux celui-là. Et là, j'y suis. Hey, big brain. Ok, on a un nouveau copain avec nous. Est-ce qu'on va pouvoir attraper celui qui arrête pas de courir là? J'étais en train de penser, mais si j'emploie la manière douce. Ah bah ça marche. Allez le gnome, plus vite. Attrape le levier. Super nickel. Voilà, je mets la caisse en dessous. Et là normalement ils peuvent me rejoindre. Et voilà. Et moi aussi je viens. C'est reparti, on redescend. Ah mais non, je peux ouvrir la porte. Ah bah non. Mieux que ça. Bah oui, il y avait un levier là aussi. Ah bah voilà. Salut les gars, ça va? Ils sont combien maintenant? Est-ce qu'on les... Si on les met là, il se passe quoi? C'est bon, ils bossent avec nous? Ah oui, ça a bossé dur là. Je sais que ce truc monte, faut que j'aille dessus. C'est ça. C'est tout? Ils sont pas encore assez, vous allez me dire? Eh, hey, mais il y a une échelle ici. Attendez, elle était là tout à l'heure? Ok, ouais, on monte. Ok. Oh, oula. Puis-je? Non. Oh. Ah, j'ai trouvé. Ah! Nickel. Exactement ce qu'il me fallait. Ah, c'est un cul-de-sac par ici. Bon, la question, c'est comment je fais pour m'en échapper. Est-ce que je peux y aller en mode discret? Je pense. On va essayer. Une glissade. Tiens, prends ça, chef. Ah, monte, vite. Ok. Oh, il y a un petit passage ici. Nickel. Oh, j'ai activé la scie. Ah, du coup, il m'entend plus. Eh, vas-y, mets ta main sur la lame, tiens, juste pour rigoler. Ok, on a quoi ici? Ici, on a... Je sais pas ce qu'on fait, mais on fait quelque chose, là. Ok. J'y vais. Là, je me casse. Sans toi. Je l'ai abandonné... Oh, oula. Oh, il y a plein de jouets. Bah, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Du coup, je suis en train de me dire, le premier chapitre des DLC, c'était The Maw ou c'était l'âme? C'était les mains? Dans The Hideaway, c'est lui, c'est avec ses grands bras. Et dans le dernier chapitre du DLC, ça sera quoi, du coup? Est-ce que ça sera le cuisinier? Non, me dis pas qu'on va retrouver le cuisinier. Je me suis pas spoilé, si jamais. Ah mais c'est nos copains, c'est les potes. Ah mais faut pas me faire peur comme ça. Ok, donc je suppose qu'on va devoir faire descendre le wagon, ouvrir la porte. Ah, je ne peux pas atteindre cette échelle, je crois. Oui. Hein? Quoi? Quand je saute, il saute aussi? Mais j'aurais jamais trouvé, heureusement que je suis venu ici par hasard. Ici copain, t'inquiète, tout va bien se passer. Craquage de nuque. Et lui, est-ce qu'il peut monter l'échelle? Ah. Bah non, d'accord, mais tu peux me descendre l'échelle, oui. Oh, misère. Hey. Mais si, là, on a ce qu'il faut pour le descendre. Oh, j'ai une sauvegarde. Il remonte. Ah non, d'accord. Et là, je suis comment pour descendre, moi, du coup? Merde, j'avais pas pensé à ça. C'est un test. Est-ce que je meurs? Bah oui. Finalement, je meurs. Je le savais, j'étais trop haut. Ah! Mais non, en fait, tout était calculé. Est-ce qu'il y aurait pas un petit gars? Y'a pas un petit gars pour nous aider, en plus? Eh, mais... Le jeu, sérieusement. Il vient de cacher des choses, le jeu. Eh, mais oui, on peut passer par là aussi. Eh, je suis pas allé encore par là. Si j'appuie sur le bouton, il se passe quoi? L'œil! On voit toutes les salles qu'on a fait. D'accord, donc en fait, on est observé depuis le début. C'est un easter eggs. Le mec a pas encore capté. Ok. On peut passer par là. On a encore un levier là aussi. Mais où est-ce que je suis?
Ah, c'est eux. J'ai dit, mais non, me dis pas qu'on va retomber sur The Mo. Bah non, t'es pas retombé sur The Mo, parce qu'on l'a tué. Du coup, on a de la musique dans le jeu, ça fait deux fois. Mais c'est quoi le délire avec le charbon, vraiment, je capte pas. Ok, attrape ça. Perds pas la main. Beau gosse. Bon, y a plus de charbon, c'est déjà ça. Ah, on a plus d'élan pour pouvoir passer là. Mais quelle dinguerie. D'accord, mais il est où là, copain? T'es dans la machine? Peu importe. Tu seras sous mon contrôle. Craquage de nuque. Je vais craquer ta nuque. Ok, s'accroche. Accroche-toi la vie. Allez, accroche-toi. Et voilà. Toute l'équipe au rendez-vous. Il y en avait qu'un seul ici, je crois. Ouais, ouais, il était tout seul. Il y a une bouteille. Ah, il y a la fameuse bouteille. C'est du bonus. On l'avait fait la dernière fois. On le refait. Mais oui, il y a plusieurs bouteilles cachées dans le jeu comme ça. Sauf que j'ai des trucs que dans les DLC et j'en ai trouvé qu'une. Oh, il y a un autre dessin là. Venez m'aider les mecs, venez m'aider. Oh oui, ça a l'air de marcher cette fois-ci. Regardez comment il lag. Oh le délire. Attendez. Je suis en train de penser. Peut-être que c'est simplement pour monter là. Mais bien sûr que c'est ça. C'était si simple. C'est ouvert. Ça y va. On va le laisser y aller. Oui. Ah oui d'accord, pour défoncer la porte du coup. Ah merde, vous l'avez peut-être pas vu. Merde. Eh, parce que ma caméra elle était en face. Ah. Bon, on a ouvert une porte. Ah c'est bon, il saute aussi. Bah visiblement c'est par là. Certains coups. Ah mais... Ah mais on a côté. Mais oui. On était venu ici, on avait vu qu'il y avait des bouts de charbon qui étaient tombés. Du coup si on fait ça... Bien sûr. Bah oui. Viens par là, toi. Ouais, fais pas le con. Allez, venez. On s'accompagne. Non mais j'ai un gosse qui s'est perdu. Mais viens, j'ai dit. Le jour que j'aurai des enfants, j'aurai pas d'enfants parce que s'ils sont chiants comme ça... Ah, j'ai été chiant comme ça, du coup, ça veut dire. Parce que forcément, j'étais gosse. Je suis pas né comme ça avec une barbe. Mais bon, cette fois, on peut monter. C'est fini, cette fois-ci. Allez, cette fois, on essaie de monter. Cette fois, ça monte. Est-ce fini? Ça y est? Est-ce qu'on a terminé? La réponse en quelques instants. Ah non, c'est pas fini. Ah par contre, j'ai pas envie de brûler. Pourquoi le bruit de la fournaise? Ça me rappelle un certain bruit de d'œil de Sauron. Mais je pense qu'on est pas loin de la fin. Comment j'arrive à savoir que c'est bientôt la fin? C'est simple, le DLC coûte moins cher que le précédent. On a la malle ici. Ah, je peux pas la tirer. Ah, je peux peut-être la pousser. Ah, mais il est là, lui. Ben oui. Ah, mais ils sont plusieurs. Mais... Tous ces gens. Mais ils sont vraiment plusieurs. Ah, mais venez. Mais ils sont quatre. Ils sont 5. Attendez, vous êtes combien les gars? Ah, il la soulève carrément. Oh mais elle où ça l'air? Attendez, vous êtes combien les gars? Ils sont 5. Ah, il la soulève carrément. C'est bizarre ce changement d'un soudain d'un coup même dans la musique. Ouais, ça va les gars? Comme si c'était un rituel satanique le truc. Trop bizarre. Ça fait 3 fois qu'on a de la musique dans un DLC. C'est ça que je trouve vraiment particulier, parce que vraiment dans tout le long du jeu en fait on a que des sons d'ambiance, tu vois. Plus que de la musique. C'est un ascenseur ça. C'est un vrai ascenseur. La dame. On a la dame qui ici qui monte l'ascenseur. Elle nous transforme instantanément en pierre si on la regarde dans les yeux. C'est un peu comme Médusa. Et c'est sur ça que ça se termine. Succès. Ouais, succès. C'est terminé donc. Proéminente. C'est incroyable. Clairement, c'était pas la même ambiance essence qu'on a eu que pendant Secret of the Mo. Forcément, ça vient accompagner le jeu. La suite. On m'a dit de toute façon on fait les DLC comme ça, il y aura des révélations sur le jeu. Mais je pensais qu'on allait tuer le mec avec ses longs bras. Finalement, c'était pas le cas. Du coup, le prochain DLC, ce sera The Resident. Avec la dame, de ce que j'ai compris en tout cas. Donc c'est elle du coup, c'est un niveau avec la dame. Super. Eh bien on sera ça pour une prochaine fois. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette seconde partie sur ce second DLC de Little Nightmare. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'avez pas vu le début, je vous invite à aller voir la première vidéo sur le premier DLC. Et également à aller voir la rediffusion sur Little Nightmare. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.